C'est-à-dire, on s'est connus au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, à l'époque, et on s'est retrouvés il y a quelques années. Et Michel, qui est du coin, hein, qui était un gros entrepreneur du Lardin. Oh. Voilà, moi j'étais dans l'architecture, Jean-Bert était dans... Ouais, pavillon, voilà, réalisation de pavillon, mais toujours dans le bâtiment. Voilà. Et on s'est retrouvés donc, après la retraite, voilà. Et donc de temps en temps, on fait des expos en commun. Donc là, on participe, puisque c'est une exposition commune. Voilà. Vous avez eu envie d'exposer tous les trois en même temps? Oui, oui, mais c'est pas la première fois. Ouais. La dernière fois, c'était à Tonnin, chez Jean-Bert. Là. C'est le fruit d'une longue amitié. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Elle dure depuis 71, voilà. Et on s'est retrouvés 20 ans après. Et maintenant, on se retrouve régulièrement tous les ans. Et ce qu'on produit... Mais avant, c'était vraiment l'amitié. Maintenant, on se supporte. Voilà, ce qu'on produit, c'est assez varié, hein, comme vous avez peut-être vu. Voilà, moi, je fais des peintures sur les friches industrielles, notamment, hein, bon, parce que c'est un restant du métier d'architecte. Voilà, j'aime bien ces endroits abandonnés, gagnés par la végétation, la rouille, etc. Voilà. Quelles sont vos techniques préférées? Acrylique, aquarelle, c'est beaucoup de choses. Voilà, et à la base, le dessin, crayon ou à l'encre. Ouais. Ouais. Ben moi, j'ai commencé, disons, en me promenant sur les bords de Garonne, donc c'est une rivière à Lot-et-Garonne, à récupérer des bois flottés et ensuite à trouver des figures, de tout, quoi. Et de retrouver aussi de la ferraille qu'on met en valeur. Donc, c'est une technique qui vous a plu, hein, ça, c'est de reproduire des images sur le bois, c'est ça? Oui, voilà, oui, de retrouver quelque chose qui se. Un coup d'œil, on se dit ça c'est peut-être un héron, ça c'est peut-être une. Voilà. Voilà. La part d'imagination. Oui, une grande part d'imagination. Il a toujours été un peu bricoleur. Hein, c'est... Et vous-même, votre technique préférée? Ben, moi aussi, c'est en se promenant dans les canaux à l'île d'Oléron, j'ai trouvé des racines de tamaris ou d'autres bois même, dans la région, que ce soit le chêne ou l'acacia. Et puis, quand je m'ennuie, que je suis tout seul chez moi, abandonné, je me mets à travailler ces bois, les scier, les former, et ensuite les poncer à la main le plus souvent. Alors ça... Jusqu'à la nuit, là, je peux passer une journée entière à m'occuper simplement en pensant. C'est à la fois le silence tout autour de la maison parce que je suis en pleine campagne et c'est une ressource peut-être. Je sais pas vraiment le définir, quoi. Voilà. C'est un joli passe-temps. Voilà. Donc le problème, dès l'instant où on a trouvé ce qu'on veut réaliser, mais là on y passe du temps. Des nuits. Et quelquefois, quand on arrive le matin, et là, il y a le truc qui se casse. Et donc, on a travaillé pour rien. Ouais. On a toujours eu besoin de traduire, soit par la peinture ou la sculpture, notre imaginaire. Comment vous vient l'envie de faire un tableau, justement, une œuvre? Je travaille beaucoup par rapport à. Enfin, moi personnellement, par rapport à des friches existantes. Hein. Bon, en Dordogne, il y en a déjà pas mal. Ou alors, c'est par rapport à des photos d'usines en Moselle, etc. Voilà. Après, je recompose, je donne des effets de perspective. Voilà. Il y a une part de photo? Il y a une part de photo. Disons que j'essaye de traduire. Même si c'est des lieux abandonnés, une note d'espoir, quoi. Pas de photos aussi, non? Non, c'est que de la peinture, hein. Peinture ou de l'aquarelle. On pourrait se laisser avoir par moment. On croirait presque que c'est une photo par moment. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas imaginer ce que je fais. C'est recomposer à partir de photos. Voilà. D'existant. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas inventer une friche. Vous êtes tombé dedans comment? Ça s'est passé comment Non, mais j'ai toujours
Bon, voilà, toujours dessiné. C'est vrai qu'avant, le métier d'architecte, ça se faisait à la main, pas sur un ordinateur. Et donc, bon, les rendus de concours ou de projets, bon, c'était des aquarelles ou du dessin à l'encre. Voilà. Des projets ? Pardon. Vous avez des projets ? Non, plus maintenant. Non, mais enfin, moi, je participe non, à... Je n'ai plus la patience. Je n'ai plus la patience. Je pense que j'ai autre chose à faire maintenant. Si, je vais trouver peut-être une racine et quelque chose, je vais la faire parce que je vois quelque chose à l'intérieur ou devant. Mais non, je pense que j'ai envie de passer à autre chose. Non, mais moi je participe beaucoup à d'expositions, soit tout seul ou en groupe comme là. Mais bon, je préfère tout seul ou un petit comité à 3 ou 4. Donc voilà, donc ça me permet bon, de compléter, je veux dire, mon travail, quoi. Mais ce n'est pas une obligation. J'arrive le matin à l'atelier, faire... Faut pas que ça soit... Non, voilà. Répétitif. Répétitif, et puis s'obliger. Ouais. Faut avoir envie et trouver la chose. C'est un plaisir, donc c'est une compensation. Bon, on bricole, après, bon, on a ce goût de l'art, donc on y passe dessus. Et puis, bon, il faut que ça vienne aussi, donc quelquefois, on a autre chose à penser. Il y a une chose, je suis content de les retrouver en fait. Oui, c'est pour ça, j'ai la patience de les retrouver là par contre. Non, la patience c'est nous qui l'avons, c'est pas pareil. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se retrouver. Ouais. Ah, je ne vous demande pas si vous connaissez le Lardin, bien sûr. Oui, si. Vous avez travaillé là, hein ? Oui, je travaillais dans la région. Tous les murs fissurés, c'est lui. Je te remercie. Non, mais je t'en prie. J'avais une décennale, quand même. Non, moi, je l'ai connu, donc je suis venu ici quelques jours en vacances. Donc, et puis, bon, après, on a gardé de bonnes amitiés. Il est devenu mon témoin de mariage. On vous remercie, vous êtes là, vous exposez jusqu'au 11 août donc au Lardin Saint-Lazare. Il faut venir vous rencontrer, vous voir du moins. Voilà. Oui. Merci à vous. C'est nous vous remercions. Merci, oui. Merci beaucoup. We'll be right back.